était vraiment motivé, on voulait absolument prendre cette victoire ce soir pour rester en course pour les As. Voilà, maintenant, je pense qu'on a dominé pendant 25-30 minutes et après, on a complètement lâché, un peu comme à l'image de la semaine dernière, contre Rien. On tient le tempo du match et là ce soir, bon, Paris était plus agressif dans le dernier quart-temps et voilà, on s'écroule et ça devient un peu répétitif, quoi. It's disgusting, really. We gotta learn how to close games. Had a double-digit leads in two games in a row, and we lost by 6-7 points at the end. And it just shows we don't make the plays to close the game. On encaisse 32 points, quatrième carton. Je pense que le problème est là, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on ne trouve pas les rotations. Je pense que ces 32 points, c'est à cause de ça, parce que les autres, ils sont trop sur le terrain. Je pense que les temps de jeu sont très élevés. On appuie sur trois joueurs, William et Luca, ça fait 5. On appuie trop sur ces joueurs. Bon, Paris a fait un bon match, bon, ça n'a rien à dire. On est 94 points en encaisse. Lui, je pense que le problème, c'est simple. Hein. Ça, c'est 87 points, c'est au-dessus de notre marge toujours. On trouve des tirs faciles, c'est pas 54%. C'est très bien pour un jeu, un match comme ça, mais on encaisse 62%. Ça, c'est catastrophique. On perd trop de ballons. Bon, ballon perdu, on perd 16 ballons, c'est ça? 16 ballons. Pour 17 passes. Pour 17 passes, mais 16 ballons perdus contre une défense de l'équipe de Paris, c'est trop. Il faut perdre 8-10 ballons parce qu'il n'y a pas une agressivité défensive devant nous. Voilà, 16-17. L'autre côté, c'est 12-24. Ça, c'est une différence. Je pense qu'au rebond de tout ça, on n'est pas très mauvais, on n'est pas à la rue. On trouve des tirs ouverts, on met les tirs ouverts. Je pense que jeu collectif, ça va un peu mieux. Mais bon. You know, basketball is 40 minutes, you know, in the first 20 minutes we look like crap, you know. Coach shoot us out at halftime and, you know, we're always playing from behind. For some reason, we always losing by double digits and find our way back in the game, you know. We got to stop doing that, you know, it's taking a toll on us, but at the same time, you know, it feels great to come out on the road and get a win. Got to be more aggressive on offense and turn up our intensity on defense. I think maybe you know, we get up and then we think, okay, we can relax a little bit. And as you see, you know, in the French competition, these teams are good and we can't relax at all.